La liberté, le pouvoir, ce sont les menaces du peuple. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple. Ok. Déclaration politique. Union pour la démocratie et le progrès social. Tshisekedi, Fédération de Goma Mabanga. Étant donné que l'UDPS est un parti politique qui prône la démocratie, la liberté de penser et d'expression, et qui lutte surtout pour les valeurs, considérant que l'UDPS est actuellement au pouvoir sous l'impulsion de son autorité de référence, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, considérant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
considérant que l'UDPS était parti régi par des textes conformes à la Constitution et à la loi portant réglementation des partis politiques en République démocratique du Congo. Compte tenu de la gestion calamiteuse du parti UDPS Tshisekedi, qui traverse actuellement une période de crise sans remède, étant donné que l'UDPS Tshisekedi, qui aspirait au profond changement après l'exclusion des Amark et Kabound, malheureusement qui continue à tarder même à l'heure actuelle. Le manquement grave au respect des statuts et règlements d'ordre intérieur à son article 26, surtout le non-respect à la préséance hiérarchique bien définie dans nos textes, soucieux de rafler plus de sièges et de la présidence pour le rendez-vous électoral prévu l'année prochaine, mais sans aucune garantie, vu les multiples divisions on sait du parti orchestrées par la gestion irrationnelle de M. Augustin Kabuya. Étant donné que l'UDPS Tshisekedi prône la démocratie, la tolérance, la contradiction, la lutte contre les antivaleurs et j'en passe, malheureusement, des qualités qui ne convergent pas avec les valeurs morales d'Augustin Kabuya, qui, lui, au lieu de chercher solution aux défis, se livre aux injures publiques, chose qui prouve son incapacité de gérer une grande maison politique comme l'UDPS Tshisekedi. Vu que la liberté de démissionner est garantie par la Constitution et les lois de la République, ainsi que nos statuts, tenant compte des éléments si hauts, nous, UDPS Tshisekedi, Nord Kivu Goma Mabanga, déclarons ce qui suit. 1. Soutenons totalement et indéfectiblement la mesure prise par le président de la CDP, Convention démocratique du parti, M. Victor Wakwenda, et gardons loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence du parti. 2. Désavouons totalement et définitivement M. Augustin Kabuya Tshilombo comme secrétaire général du parti, conformément au règlement d'ordre intérieur de l'UDPS Tshisekedi, vu son incapacité politico-administrative. Demandons sa démission sans condition au poste occupé au sommet du parti, car son intégrité morale ne cadre pas avec les principes fondamentaux du parti UDPS Tshisekedi. 4. Demandons à toutes les fédérations de l'UDPS, de l'intérieur comme de l'extérieur, toutes les formations politiques et forces vives alliées à l'UDPS Tshisekedi, d'user de toutes leurs capacités de mettre hors d'état de nuire toute personne ainsi que toute idée voulant maintenir le parti dans le chaos, en allant à l'encontre de nos textes et idéologies qui régissent l'UDPS Tshisekedi. Que vive la République démocratique du Congo et vive la province du Nord Kivu. Que vive l'UDPS Tshisekedi au Nord Kivu. Que Dieu bénisse la Fédération du Nord Kivu. Je vous remercie. Bonjour journaliste. Vas-y, vous avez à dire, je ne sais pas quel message vous avez à lui transmettre. Je dois transmettre le message pour la Kolobana Lingala. Naza combattant, Naza combattant à Moutouté. Mais décision bimina Kinshasa, il y a vieux à Kwenda, il est responsable, vieux à coller sa bison en partie. Il faut combattre les antivaleurs.
si koyo banti valere mona ni na moto na biso ba benga kae Auguste Kabuya lokola Kabuya bimaki na banti valere na ewana bible na biso nde stati na pro, na, na projet de société na biso eboyi koiba eboyi ko sala banti valere nde détecteur et détecté ke Kabumbi Kabuya alanda lisusu Kabuya place ya Kendaki Kabundi parce que tout ça va souffrir à partir oyo azoteka ba poste ya kota ya IDPS ono ya ba individu azo sala continuité na na RCD batu ya RCD batu ya M23 nde azo pesa bango kota ya ya ba combattants IDPS nde toloba ki ke vraiment to appuyer idée ya vieux wa kwenda trop c'est trop si c'est trop ça gêne abima mais nazo pesa message na ba combattants na ti soutien ya makasi oyo ba sala ki lobby na limité et c'est là qui malamu parce que limité goke aux alanda côté on a action oya doctrine abisson peine aux autres pèse un message et pas chef de l'état amona makambo wana soki ye aza chef de l'état za na parti te mais yende yende autorité morale na bisson na parti moto wana tozo pèse kaka 48 heures to mona lisusu ye na parti na sommet à parti te ah qui soit ah, ah, ah. Ok. Jambo journaliste. Journaliste na watu wote na wakongomani wote wangekumbuka ya kwamba leo kwa chama ya IDPS Tshisekedi ku quartier général alimete vitu vinachanga. Na kama vinachanga ni juu kulikuwa vitu fulani fulani ambavyo haviendeki kwa chama. Na hivyo vitu fulani fulani haviendeki kwa chama ni juu tuliona ya kwamba siku za mbele wakati tulifukuza mzee Jamari Kekabundi tulimuacha mwenzia ambaye walitumika fasi moja wanamuita Auguste Kabuya Chilumbu. Alakini kwa hiyo tulikutana ile ile jambo ambayo Kabundi alifanya kwa chama huyu bwana tena ameendelesha kwa chama. Alafu juu ya hiyo ijapokuwa IDPS ni chama ambayo ina inatia mbele kidemokrasia, ni chama ya peple, ni chama ambayo kila mtu ana uhuru wa kusema. Asa wa membre ya parti tunaoita wa kombata ya parti walikutana ya kwamba hawataendelea kuishi desordre, kuishi ile vuguvugu katika chama. Kwa hiyo walisema wakubwa wa chama zaidi sana mzee wa chama tunamuita president wa CDP. CDP ni kiungo kati ya chama ambayo inakuwa yulu ya waitu wengine wote, iliamua kutia huyu mtu pembeni. Alafu wakati wamemtia pembeni, sisi kama wanamemba katika nchi yote na hata katika dunia, juu IDPS ni chama ambayo inafika hata mipaka yake inafika mpaka dunia nzima, watu wote wamesema ya kwamba hapana, huyo mtu inaomba tunajiunga nyuma ya huyu mzee ambaye amekamata decision muhimu ya kusema kama mtu ambaye anaharibisha chama hastahili. Kwani sisi kwa chama tumesema kama tumeimbia raia kama sisi tutahusika sana na wakazi, le peuple d'abord. Lakini tunaisema kwa masemi, kumbe kati yetu wengine wanaitia hiyo pembeni ideolojia ya parti, wanaenda kwa mafikiri yao. Ndiyo maana umetuona muungano hapa, tumesema tunashindikiza hiyo neno ya mzee wa kwenda. Wa kwenda ana haya ya kusema kama mzee Chilumbu Kabuya Auguste hastahili tena kwa chama. Na sisi kama watu wa Nord Kivu tumejiunga nyuma ya hiyo pendekezo, hiyo msemo na hiyo decision. Na hata kesho Kinshasa kuko manifestation kabambi ya kumfukuza Kabuya sawa sawa na Kabundi. Ndiyo maana tunakusanyika hapa. Asante. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Congo Live Télévision. Nous recevons ce matin Gédéo Sepengwa. Il a en tout cas l'habituel de nos émissions. Gédéo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonne matinée. Aujourd'hui, on ne parle pas Bunagana, Rutshuru, sécurité en général dans les Rutshuru et Nyiragongo. Je vous
vous invite sur ce plateau pour comprendre une question, parce que je vous ai vu dans les images que j'ai tournées hier avec certains combattants de l'IDPS, et vous, vous êtes la Ligue de Jeunes, donc le président de la Ligue de Jeunes de l'IDPS, honore qui vous. Nous tentons de comprendre cette question. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'IDPS Nord Kivu? Parce qu'on a vu, vous avez lu un communiqué, une déclaration qui semble être contre ou hostile alors au secrétaire général de votre parti politique, l'IDPS. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Apparemment, il y a un petit souci au sein du parti. Apparemment. Oui, les soucis sont là, les problèmes sont là. Et d'ailleurs, ce qui est en train d'arriver, parce que nous avons appris de la zone de désavouement du secrétaire général, M. Kabuya, par le président de la CNDP Wakwenda. Cela était prévisible parce que chez nous, ici au Nord Kivu, Kabuya n'était plus quelqu'un qui était qu'au sommet à ce poste. D'ailleurs, nous, on l'avait désavoué depuis la nuit d'État. Et peut-être que Kinshasa ne nous avait pas attendu bien avant, mais sinon, ça serait déjà fini. Le parti aujourd'hui est quasi inexistant. Pour essayer de redynamiser le parti, il fait recours au mercenariat et, à vrai dire, il est en train de comploter contre le parti. Depuis longtemps, on avait compris, depuis que Kabound était au parti, nous avons refusé, nous avons manifesté contre ça. Et bien sûr que Kinshasa, il y a eu des combattants, bien que qui s'est manifesté par l'opportunisme, il ne cessait pas de tromper les gens qui va donner des postes et ainsi de suite. Et voilà que ils les ont menti. Là, on a compris, Kabuya est parti. Kabuya a fait la même chose, c'était un clic. C'était les gens de même plumage. C'était une erreur de chasser Kabound et laisser Kabuya, parce que rien n'a changé et c'était la continuité. Maintenant, de quoi vous reprochez à Kabuya? C'est Kabuya, ouais, Kabuya concrètement. Tout d'abord, il ne s'inscrit pas dans la logique de nos statuts, ça c'est un. Mais comme aussi, quoi par exemple? Le statut dit quoi, en bref? À son article 26, évidemment, c'est la convention démocratique qui doit gérer, c'est le directoire qui doit gérer, disons, les partis. Le directoire est composé de trois organes. Il y a la convention démocratique, il y a, disons, la CEP, il y a aussi le secrétariat général. Mais il a tout pris de lui-même, il fait tout, et les autres organes-là ne fonctionnent pas. Et pour son intérêt propre. À cela, vous trouverez qu'il y a monnayage de postes, il y a autant de corruption. Mais vous savez, Kabuya a la confiance du chef. Quand je parle de chef, je vais dire le chef de l'État, Tshisekedi. Maintenant, Tshisekedi, le parti n'appartient pas à Tshisekedi. Je sais bien. Évidemment, s'il a la confiance du chef, mais le parti, l'IDPS nous appartient, nous avons adhéré à l'IDPS. C'est pas qu'il est président de la République qui va imposer des mesures anti-statutaires. Et donc, lui aussi est censé se conformer au statut. Et donc, dès que personne qui va contre les statuts, non. Et là, l'IDPS n'attend pas et on l'écarte, bien sûr, parce que nous sommes un parti légaliste. Nous voulons le respect, c'est tout ce que nous prochons, le respect du texte. Et si à l'intérieur, nous ne savons pas respecter, disons, le texte, qu'en sera-t-il de la gestion du pays? Est-ce que vous êtes de l'IDPS réellement, là? Je ne sais pas, permettez-moi, je l'ai dit. Vous êtes de l'IDPS, là, je parle de l'IDPS Tshisekedi. Mais oui, nous sommes de quel autre IDPS? Nous sommes de l'IDPS Tshisekedi. C'est pas l'IDPS, c'est X, machin, machin. Non, parce qu'il y a plusieurs IDPS, il faut non, le dire. Quand je parle de nos statuts, je parle du statut de l'IDPS Tshisekedi. Oui. Et quand je parle de Wakwenda, quand je parle de Kabuya, vous comprenez. L'IDPS là qu'on a vu des sphinx délimités, c'est oui, ça? Mais oui, c'est l'IDPS qui prône les textes, qui prône le respect des textes. Quoi. Donc on peut dire que ça ne va pas chez vous alors? Tout à fait, ce n'est plus à cacher parce mais que vous demandez quoi concrètement? Non, ce que nous demandons ici, nous sommes en train de soutenir la décision du président Victor Wakwenda, qui a compris que nous que c'était l'affaire de M. Kabuya. On ne sait pas pourquoi ils ont traîné, parce que nous avons fait déjà ces combats, nous avons déjà déclaré, nous ne les reconnaissons pas, ils n'avaient plus légitimité. Et donc
tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de soutenir cette position et demander que le congrès se passe le plus tôt serait le mieux, parce que 2023, c'est les élections. Nous devons être en ordre avec le fonctionnement du parti. Est-ce que ce n'est pas un groupe, permettez-moi que je le dise comme ça, qui se sent lésé et qui se lève aujourd'hui pour, disons, s'attaquer au CG, monsieur Augustin Kabouya? Oui, être lésé dans la violation des textes, on ne peut pas être libre quand on a intégré, disons, le respect des textes à nous, et que les textes, quand les textes sont violés, nous devons être lésés. Donc, c'est ça frustré, parce que ce que nous avons dit aux gens hier, et quand c'est ce qui n'est pas en train d'être fait, franchement, on est lésé. Mais lésé, je ne sais pas pour vous ce que ça signifie. Est-ce que cette mobilisation, s'il faut que je le dise comme ça, ou bien ce mécontentement est général, là je veux dire au niveau national, ou bien c'est seulement la fédération des Goma? Non, je pense que le mécontentement est général. Bien sûr, ça qu'on passait ici chez nous depuis d'ailleurs 2019. Depuis 2019, on vous a vu encore se soulever contre, oui, contre Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, c'est Kabouya. Oui. Mais comment comprendre cela? Rien n'a changé. On a remplacé, on a changé le physique de l'épaule. Kabound à Kabouya, c'est la même personne. Voilà que nous, on n'avait jamais cédé. On se disait que non, le parti doit revenir à l'ordre. C'est tout ce que nous avons demandé. Bien sûr qu'il y a un poignet de gens qui soutiennent à ce désordre parce que vit l'opportunisme, mais nous pensons que l'IDP c'est tout. Tant que l'IDP sera là, c'est ce qu'il faut conserver, on aura tout ce qu'on a besoin. Alors, selon vous, si rien n'est fait, hein, si rien n'est fait, de quoi vous craignez dans les jours à venir pour votre parti politique et l'IDPS? Mais le parti politique est hypothéqué. Et si rien n'est fait, alors ça sera la fin de l'IDPS. Parce que avec Kabouya, vous voyez ce que Kabound a fait. Il avait déjà créé son parti politique à part. Il passait seulement avec le nom de l'IDPS pour se faire encore un peu d'énergie. Mais ça peut être, ça sera le même pour Kabouya. Et donc si rien n'est fait, alors c'est la mort de l'IDPS. C'est ce que nous combattons, parce que nous ne pourrons jamais, ou nous ne sacrifierons jamais l'IDPS. Jamais. Parce que nous venons de très loin. D'accord. Derrière l'IDPS, il y a des blessés, des handicapés, il y a des orphelins, il y a des veuves. Vous voyez? Et merci donc, beaucoup, ça, nous ne pouvons pas sacrifier. Merci beaucoup, Gédéon. Ce n'est pas votre numéro de téléphone. Oui, bien sûr, je suis sur les 09 90 74 63 54. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, je s'appelle Gédéon Sepengwa. Il est le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Honneur qui voilà, je précise, l'IDPS Tshisekedi, hein? Donc les partis au pouvoir, parti présidentiel. Merci mesdames et messieurs d'avoir été là, de nous avoir suivis. Je fixe rendez-vous là les heures qui suivent. Nous vous disons bye bye.